Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah, tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans One and Ball, cette fois-ci pour vous remercier de m'avoir offert la perfecte édition de Dragon Ball. Vous voyez ici, tout en bas de la vitrine, il y a les 34 tomes. Donc encore un gros merci à vous pour ce cadeau que vous m'avez fait grâce à vos donations lors de mon précédent live. Franchement, je sais pas comment vous remercier. Il n'y a pas que moi qui vous dis merci. Regardez, Akira Toriyama, au dos du tome 34, vous dit merci beaucoup, tu vois. Donc, je vous dis merci, Toriyama vous dit merci. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content. Bref, voilà, je vous avais dit que j'allais vous faire un vlog lors de l'achat de ces 34 mangas. Eh bien, ça va être chose faite dans cette vidéo. Let's go, bon visionnage. Allez, il est temps d'aller chercher la collection Dragon Ball, la perfecte édition avec Amar. Vous connaissez Amar, celui qui aime Dragon Ball Super pour les cheveux rouges et bleus. Alors monsieur, tu trouves ton bonheur? Zelda, ah là là, tu connais toi, hein? Meilleur jeu de tous les temps. Meilleur jeu de tous les temps, vas-y. Moi, attends, ils sont où mes bouquins là? Elle est où la collection? Elle est où la collection? Dragon Ball, le dictionnaire des 20 ans, les gars, vous connaissez? Pa, la perfecte édition qui est là, les amis, elle est là. Ils y sont tous, il y avait 34 tomes. Par contre, là, il va nous falloir un carton parce que là, en vrai de vrai, vous avez vu, les gars, tout ce qu'il y a, ça va être très compliqué à prendre ça à la main. On va demander un carton. Il manque le 24. Il manque pas le 24, wesh. Non, c'est bon, il manque pas le 24. Il m'a fait flipper, il manquait rien du tout. Là, il y a un chef-d'œuvre. Là, il y a un chef-d'œuvre, monsieur. Tu aimes bien au moins? Ouais, bon, ouais. C'est excellent. Il n'y a pas de mais bon. Il y en a d'autres. On va regarder. Berserk, les gars, ça, c'est la valeur sûre. Berserk, chef-d'œuvre. Je vais rien entendre, monsieur. C'est un chef-d'œuvre. Par contre, les amis, on en parle des mangas L'Attaque des Titans, c'est des dictionnaires, on dirait. Vous avez les mangas à côté, tu vois, et à côté, t'as les dictionnaires de L'Attaque des Titans. C'est un truc de ouf, quand même. Mais c'est quand même stylé, hein. Franchement, ils sont plutôt stylés, hein. Ça fait vraiment des gros, gros bouquins de ouf, hein. Ça fait des gros bouquins de fou furieux, j'avoue, dans une collection, ça peut être vraiment pas mal. Celui qui avait ce même format, bah, c'est la base, hein, les gars. Le même format quasiment que SNK, c'était Akira. C'est la base. Akira aussi bien le film que le manga. Le manga magnifique. Ouais, le manga franchement magnifique. Le film aussi, mais le film, si t'as pas vu les mangas, la compréhension peut être un peu compliquée. Non, c'est surtout que c'est pas la même histoire au final. Ouais, parce qu'ils ont rushé un petit peu surtout la fin. Otomo, il a abrégé. Il pouvait pas reproduire la quantité d'informations du manga directement dans un film. C'est impossible. C'est vrai, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça reste quand même un chef-d'œuvre. SNK, Akira. Oh, en couteau de Noken. On est des anciens, ça aussi, très très bon, Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, je suis pas très fan, mais toi, je sais que tu kiffes. Regardez l'anime, hein, l'anime. L'animé? Magnifique, l'animé, c'est le top. Je suis pas très très fan, moi, mais je sais que voilà, il y a vraiment des gros fans de Full Metal Alchemist. Là aussi, on a quelque chose d'intéressant, c'est One Punch Man. One Punch Man, monsieur, t'avais aimé One Punch Man? One Punch Man, j'ai pas lu le manga. D'accord. J'ai regardé l'anime. Ouais, comme moi, à la base. Magnifique. Ouais. C'est un truc de ouf. Deuxième saison, déçu. Bah, j'ai pas dépassé 4 épisodes, je crois. Après, j'ai fait non, laisse tomber. La première saison de One Punch Man était vraiment bien. La deuxième saison, beaucoup moins bien animée. Voilà. Par contre, pour conseil, hein, pour ceux qui aimaient One Punch Man, première saison, ça, c'est une valeur sûre en termes d'animation. My Hero Academia, bien voilà. Sûr. Après, la dernière saison, en effet, bon, elle était un peu mou du genou, hormis les derniers épisodes où là, beaucoup tu prenais ta claque. Beaucoup, ouais, beaucoup de parlotte. Mais on est souvent déçu à un moment donné d'un manga. Il y a toujours une saison qui gâche le truc. Il y a un petit côté émotion, en même temps héroïque, c'est... Les personnages sont attachants. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est attachant. Il y a le petit côté super-héros, tu vois, du gamin qui kiffe. Découvre son évolution qui est top. Ouais, c'est top. C'est vrai que c'est pas mal. Après, il faut aimer des mangas où il y a des personnages qui ressemblent à des corbeaux, d'autres qui ressemblent à des chauffeurs. Ah bah le design, le caractère design. Voilà, c'est ça, le mec, il s'est fait plaisir, hein. Il y a de tout. Hein. Mais All Might, il est stylé quand même. All Might, la cavalerie est là. Ouais, il a la classe. Ouais. Donc nous assistons à un cambriolage, un individu masqué récupère toute une rangée de mangas pour les mettre dans son carton. Je suis en train de regarder, vous voyez là, c'est les deux mêmes numéros. Regarde si la jaquette, elle est bien, enfin la couverture est bien placée, c'est très important. Bon, il est relou le gars quand même. Hein. Bon, il fait ça pour les premiers parce qu'ils sont en double exemplaire, mais sur les suivants, il n'y a qu'un exemplaire, il va pas nous ouais, faire... Après, je pourrais pas. Voilà, ça va être très rapide, il va prendre par pile 2-3. Est-ce que ça va rentrer? Faites les paris. Bien sûr. Tu peux pas en mettre un dans la tronche, là, sur la tronche encore? Là, non, c'est mort. Ouais.
Bon, c'est lourd ou c'est lourd? Ouais, ça pèse son poids quand même. Hein. Ça pèse son poids. Hein. Allez, vas-y, à la caisse. Go. Ça m'a les figurines. Là. Bonne journée. Merci bien, c'est gentil. Et vous en prie. La puissance des Saiyans, les gars, tout est là-dedans. Et là, on ne parle pas de cheveux rouges ou de cheveux bleus là-dedans. Là, je suis d'accord. Genre, elle va en passer un, elle va faire x 32 ou elle va les passer tous un par un? 34, monsieur. 34, oh mince, quelle honte, j'en ai enlevé deux. Je vais les mettre quand même au sol parce que ça pèse, là. Genre, les salles de sport sont fermées, Sofiane, tu pourrais faire des efforts. Hein. Bah, c'est bien ça le problème, tu vois, c'est pas parce qu'on a un t-shirt Street Fighter qu'on est balèze, tu vois, non. C'est chaud, derrière ça y est, ça y est. Là maintenant, il va falloir khalas. Donc, heureusement, c'est la générosité de la communauté. Merci à vous parce que là, ça va faire un gros gros billet. Bonjour. De ne pas filmer, s'il vous plaît. De ne pas. Rallume le téléphone, wesh. Filme. T'occupe pas de ce qu'elle raconte. On la filme même pas. Se prend pour Britney Spears. Filme dans les mangas. Ça monte, hein, ça monte. Ah, ça monte, hein. Y a pas de acheter un offert. Non, y a pas. On est pas au grec. On est pas au grec. T'as pas une carte. Ouais. Carte de fidélité. Bon, est-ce que je te filme en train de taper le code ou pas? Alors, ça m'arrangerait que non. Merci bien. C'est payé. Allez, on peut y aller. Encore merci à la communauté, franchement, de votre générosité. C'est un cadeau de ouf là que vous m'avez fait. Franchement, c'est incroyable. Pourquoi t'as posé le colis? Ben regarde, c'est la queue, frère. Non, mais pourquoi tu le portes pas? C'est lourd. On pose pas ça par terre. C'est lourd. C'est lourd de quoi? Attends, parce que non, c'était bougé. On va se faire carotter du coup. Normalement, Super Saiyan. Ah, Super Saiyan, bah là, on est même pas en mode Kaioken, je te le dis direct. C'est lourd ou quoi? C'est quoi? Combien de kilos? Voilà. Est-ce qu'il y a les poids? Non, non, c'est pas un sac de farine, ils mettent pas les grammes dessus. Mais t'as cru que c'était un sac de légumes ou quoi? C'est tout mouillé par terre, tu vas tomber, voilà. Eh, franchement, si tu tombes par terre avec les mangas, là, ils finissent dans la flotte, t'inquiète pas, tu vas pleurer. Voilà que je tombe sur le dos, les mangas sur moi, c'est bon, c'est moi qui serai mouillé par les mangas. Je sacrifie ma colonne vertébrale direct. Ben, franchement, ben... C'était pas mal ce petit rayon à Leclerc, hein. Par contre la caissière là, elle a fait la belle. La caissière elle a fait la belle, hein. Elle a dit ouais, par contre vous me filmez pas, mais on va pas te filmer, t'as cru qu'on avait que ça à faire. Déjà, filmer en plus t'as un masque, les gens vont même pas t'identifier. Oh là là, je te jure. Qu'est-ce qui nous intéressait, la caissière ou ce qu'il y avait sur son tapis? La jaquette de Goku qui nous intéressait, voilà. Je préfère filmer la jaquette de Goku que sa tête. Voilà. C'est bon. Voilà pour ce vlog. Bon, comme vous l'avez remarqué, on a eu un léger accrochage avec la caissière. Rien de bien méchant, juste en fait je ne comprenais pas pourquoi elle m'a dit je vais vous demander de ne pas filmer. Mais en soi, j'ai le droit de filmer mes mangas. Si sa phrase aurait été formulée différemment, nous demandant de ne pas la filmer elle, je lui aurais répondu qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, elle n'apparaîtra pas dans la vidéo. Nous, ce qu'on voulait, c'était filmer la collection complète de la Perfect Edition, simplement. Mais finalement, on a pu continuer à filmer dans la joie et la bonne humeur, et du coup, je vais vous montrer un petit peu, eh bien, ce qui se cache à l'intérieur de la Perfect Edition. Je vous prends le dernier tome avec l'apparition de Oob. Petit clin d'œil également à Goku quand il était enfant avec Kintoon, le fameux nuage magique. On a également des petites apparitions, voilà, en plus en couleur, avec des couleurs pâles de Mirai Gohan. Voilà, je vous en parle parce qu'en ce moment, il y a Dragon Ball Legends avec le Mirai Gohan qui est apparu. Donc voilà, des petites choses vraiment très sympathiques. Et bien évidemment, ça retrace l'histoire de Dragon Ball en entière. Sauf pour Dragon Ball Super, bien évidemment, je tiens à préciser que la collection de la Perfect Edition est la traduction française qui est la meilleure des traductions aux écritures japonaises du manga Dragon Ball, traduite par Fédois qui a fait un très gros travail. Et franchement, ce sont des mangas en plus grand format
Et moi, franchement, je les kiffe, je les voulais depuis un moment, et vous m'avez fait un énorme cadeau. Donc vraiment, gros merci à vous, gros cœur sur vous, la communauté. Franchement, c'est incroyable. Cette collection, à présent, a beaucoup plus de valeur qu'une simple collection que j'aurais pu me payer moi-même. Là, c'est vraiment le cadeau de la communauté. C'est oufissime, encore un gros merci à vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager, pouce bleu, réagissez également dans les commentaires. J'espère que ce vlog du coup vous plaira. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Non, yeah !